Salut à tous, c'est Robin Mace. Je vous ai joué en début de vidéo une petite mélodie qui, admettons-le, dégage une couleur particulière. Cette couleur, elle a été créée notamment grâce au mode de la gamme utilisé dans la mélodie. J'ai déjà parlé de mode de gamme dans d'autres vidéos, mais je vais faire un petit rappel. Un mode est en fait une structure d'espacement entre les notes d'une gamme. Ces espacements sont calculés en ton et en demi-ton. Ce qui donne une couleur plutôt lumineuse ou joyeuse à une gamme en mode majeur, c'est l'espacement qu'on rencontrera entre chaque note de la gamme. Et ces espacements sont différents pour la gamme en mode mineur, ce qui donnera alors une couleur plus sombre ou triste. Dans la mélodie que je vous ai jouée, nous ne sommes ni dans le mode majeur ni dans le mode mineur, mais dans le mode phrygien. La manière la plus facile de déterminer les espacements en ton et en demi-ton d'une gamme en mode phrygien est de partir d'un mi et de monter la gamme avec des notes naturelles. Cela tombe bien, notre mélodie a justement comme tonique note principale, la note de départ de la gamme, le mi. Nous ne serons donc pas embêtés avec des altérations. On va donc réaliser une petite gamme en mi phrygien à la guitare pour se familiariser avec les notes et après cela, on pourra analyser l'espacement entre les notes. Jouez le mi de la quatrième corde en posant le deuxième doigt sur la deuxième case. Placez le troisième doigt sur la case à côté pour le fa. On passe à la troisième corde à vide pour jouer le sol. Placez le deuxième doigt sur la deuxième case de la troisième corde pour le la. On passe à la deuxième corde à vide pour le si. Ensuite, on place le premier doigt sur la première case de la deuxième corde pour le do. Puis le troisième doigt sur la troisième case de la même corde pour le ré. Et on termine avec le mi, première corde à vide. Exercez-vous également à réaliser les mêmes notes dans l'autre sens, c'est-à-dire des aigus vers les graves. Je vais vous montrer la gamme en aller-retour. Concernant l'espacement entre les notes, on remarque donc que l'ordre est le suivant. Demi-ton entre la première et la deuxième note, puis ton, 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 demi-ton, ton, ton. En sachant cela, vous pouvez tenter de reproduire une autre gamme dans le mode phrygien, en partant d'une autre note, mais en respectant l'espacement appris. Voici l'exemple avec le sol phrygien. Sol, la bémol, si bémol, do, ré, mi bémol, fa et sol. Alors, pour revenir à la mélodie du tutoriel, sachez qu'il y a deux notes qui ne sont pas reprises dans la gamme, le ré quatrième corde à vide et le fa première case de la première corde. Je vais donc jouer la mélodie avec partition et tablature à l'écran. Sachez que ce n'est pas la première mélodie dans un mode spécial dont j'ai réalisé un tutoriel. Donc, si vous désirez découvrir d'autres mélodies, je laisse deux liens dans la description de la vidéo. Ou bien, vous pouvez aussi visiter le site internet autourdelarosace.com. Ceux qui désirent la partition et tablature au format PDF peuvent se référer à un lien que je laisse dans la description de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel. C'est parti pour la démonstration.